vous allez bien en ce vendredi 24 septembre. Moi, je suis en week-end. Comme vous pouvez le voir, il est 9h06 et je suis en week-end. Et là, du coup, je suis pratiquement habillée, presque. J'ai pas fini. Du coup, il manque juste à faire ma coiffure. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon dimanche. Là, je me suis déjà habillée. Je vais vous montrer ma tenue juste après. Je vais juste mettre du mascara parce qu'il faut que j'aille quelque part, et c'est très important, c'est privé. Ensuite, là, il faut juste que je range mon appartement. Je pense qu'en fait, samedi, ma soeur, elle vient pour que je lui fasse les graisses. J'avais complètement zappé. Autant je comptais sortir samedi pour aller au Aldi. Parce qu'en fait, j'ai vu au Aldi qu'ils allaient amener des boîtes en plastique. Et comme c'était pas cher, c'était 8 à 12 euros. Donc je me suis dit que j'allais aller les prendre en fait, parce qu'il va falloir que je range mon dressing, parce que c'est la seule pièce en fait qui n'est pas totalement rangée, parce que du coup j'ai tout un peu en bazar. Donc en fait il y a 8 boîtes, je vais les séparer en fait, ces boîtes là, soutifs, culottes, chaussettes, collants, etc. Je vais les séparer. Ok, là je vais juste m'attacher les cheveux. Ok, donc là les cheveux c'est bon, c'est attaché, ma coiffure on n'échange jamais, 2000 queues de cheval, j'adore. Là, je vais juste mettre du mascara. En fait, il y avait une fille sur les commentaires, une abonnée qui m'a mis en fait comme quoi elle voudrait un update. En gros, enfin, me connaître un peu plus. Parce que je vlog, mais en fait, je sais pas en fait si vous avez des questions. Si vous pensez que c'est une bonne idée juste pour me connaître un peu, me poser des questions, vous savez, sur ma vie, tout ça, ce que je peux répondre, bien sûr. Je sais pas du tout, enfin, je sais pas quel genre de choses vous voulez savoir, du coup, sur ma vie. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un DM, et ça pendant une semaine. Donc, à partir de dimanche, si vous avez des questions, venez me les poser sur Instagram. Comme ça, même si je n'ai pas lancé le QCM, je crois qu'on dit comme ça, même si je n'ai pas lancé, en fait, la foire aux questions, vous, si vous avez des questions à me poser, en fait, vous venez sur Instagram. En gros, je pense que c'est plus clair comme ça. Vous venez sur Instagram, en fait, vous me posez les questions. Même si je ne réponds pas tout de suite, je répondrai du coup en vidéo. Donc, vous me posez des questions, etc. Et moi, je regarderai. Et ces questions-là, je les répondrai en vidéo. Donc, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur une question que vous voulez que je réponde. Je répondrai en vidéo. Ok, je pense que là, c'est plus clair. Je vais mettre mon mascara. Voilà, c'est fait. Là, je vais juste aller mettre du coup des vêtements dans la machine, les vêtements sales dans la machine. Comme ça sera fait, comme ça je mets le produit et comme ça le soir, je n'ai plus qu'à lancer la machine. Et du coup, ça c'est fait. J'ai tout préparé comme ça. C'est nickel. Je vais juste faire la vaisselle. Il n'y en a pas beaucoup. Mais comme ça, je fais ça. Comme ça, c'est fait. Comme ça, je ne sors pas sans avoir fait ma vaisselle. Et j'ai fait la vaisselle. J'étais en train de filmer. Mais ma carte mémoire m'a fait une dinguerie. Elle s'est arrêtée net. Elle n'a rien filmé du coup. Bref, pour vous dire, j'ai fait la vaisselle. C'est nickel. J'adore quand c'est comme ça. Il y a une petite nouveauté en fait dans ma cuisine. Ma mère, elle est revenue du Cameroun et du coup, elle est passée chez moi. Parce que ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue chez moi. Et là, du coup, elle a changé. Elle a changé ma cuisine. Non mais, elle a changé ma cuisine. Et là, elle a vu qu'en fait, vous savez, j'avais toujours ma planche ronde ici, pour ceux qui savent, juste ici. Et en fait, elle a enlevé. Elle m'a fait, non mais ça fait trop, enlève et laisse juste ça. Du coup, elle a enlevé et du coup, en fait, ma cuisine maintenant, elle est comme ça. Il n'y a plus rien sur le plancher. Elle m'a dit comme ça, tu as plus de place, comme ça, tu n'encombres pas ta cuisine. Et finalement, j'aime bien. Finalement, je trouve ça plus joli comme ça. Et par contre, il y a un truc qui a changé. C'est que du coup, elle m'a dit de mettre le truc rond ici pour l'instant.
ça ne me sert à rien. Du coup, elle m'a dit de le laisser là. Et du coup, j'ai acheté ça aux Actions. Du coup, je vais m'en servir comme panier à fruits. Ça, c'est mes bananes pour les cookies. Voilà, je ne sais pas si je le laisse là parce qu'il est assez grand quand même. Du coup, je ne sais pas si je laisse là comme ça ou pas. Ou si je le remets à la place de ma mère, à la place là-bas. Elle m'a dit de le laisser là. Alors, je suis passée dans mon salon. Je vais vous montrer mon outfit vite fait. Parce que du coup, je vais ranger mon salon aussi vite fait avant de partir. Je vous montre juste mon outfit parce qu'en fait, j'hésite entre deux choses. J'hésite entre un blazer normal, noir, et un blazer en simili-cuir noir aussi. Voilà, en fait, j'hésite avec ce blazer-ci, assez large, que Manuela m'a donné. Vous voyez? Il est comme ceci, je regarde par le miroir par là. Mais franchement, il est génial, j'adore. Elle ne voulait plus du coup. Bah, moi, je l'ai récupéré. J'adore. Franchement, nickel. Donc, avec un sac bandoulière que je vais mettre comme ça. Et j'hésite en fait avec soit des Converse ou soit des petites bottines. Soit comme ça. Soit comme ça, avec toujours un petit sac bandoulière comme ça, avec soit des Converse, soit des petites bottines. Je ne vois rien du tout, mais dites-moi s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, je sais pas, franchement, j'hésite. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais commandé il y a très longtemps, je ne l'ai toujours pas ouvert parce que voilà, j'ai eu des petits problèmes au niveau de la rentrée et tout ça. Mais j'avais commandé une petite jupe sur Bershka. Et une petite doudoune aussi sur Bershka. Et là, je suis là en fait. Je me suis dit, mais autant que vous la montrez. Comme ça, c'est fait. Comme ça, j'ouvre parce que je ne sais même pas quand est-ce que je vais l'ouvrir. Parce que je pensais que j'allais commander d'autres choses. Mais non, en fait. Donc, je pense que je vais vous montrer ça tout de suite. Et au cas où, si il y en a qui ne regardent pas les vlogs, si je fais d'autres achats, je vais inclure en fait cette jupe et cette doudoune dans la vidéo. Pour ceux qui ne regardent pas en fait les vlogs. Petit paquet Bershka. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Ok, la première chose que je vois, c'est la doudoune. Ok, elle se présente comme ceci. J'ai pris une taille M. Je voulais pas prendre une taille L parce que je voulais pas que ça soit énorme non plus. Déjà, une taille M, je trouve que c'est assez grand. J'aurais peut-être même dû prendre une taille S, mais ça va. Déjà, j'adore cette couleur. J'adore cette couleur un peu beige comme ça. Vous voyez les détails? Je regarde par là, c'est pour ça. Mais vous avez des détails comme ça. Vous pouvez la monter. Jusqu'à là. Il n'y a pas de capuche. Mais en tout cas, elle est comme ceci. J'adore franchement. Et là, hop. Ah, j'adore. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. J'adore. Et je sais pas si on peut resserrer en bas. Ouais, on peut resserrer en bas. Elle est trop, trop belle. J'aime bien. Elle est magnifique. Et en plus de ça, elle tient chaud. Et sur Bershka, il y avait toutes les couleurs. Il y avait une couleur aussi qui m'intéressait. C'était la couleur marron chocolat. Magnifique. Franchement, je voulais la prendre. J'ai hésité. J'ai hésité en fait entre les deux. Mais elle est trop belle. Ensuite, j'ai cette jupe en fait super longue en satin. Ah, elle est bien élastique. Ça va. En satin longue. Elle est super longue. Elle m'arrive jusqu'aux chevilles. Je l'ai prise en taille S. Comme ça,
je vous préviens, elle n'a pas de... Elle est élastique, mais elle n'a pas de fermeture éclair. Donc, prenez la bonne taille parce qu'en fait, du coup, là, elle commençait à vouloir ne pas rentrer à ce niveau-là de mes poches, vous savez, des hanches. Donc, voilà. Mais sinon, elle est trop magnifique. Je l'adore, en fait. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Oh là là, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore. Alors, voilà, elle est comme ceci. En entier, vous voyez. Sinon, si je suis debout, ça fait vraiment genre sirène. Vous voyez, genre, elle a une forme un peu de sirène. Franchement, j'aime bien. Et franchement, Bershka, c'est un de mes sites favoris niveau vêtements parce que je trouve que leurs vêtements sont de bonne qualité et pas cher. Franchement, c'est l'un de mes sites préférés. Ils ont toujours des tendances actuelles et moi, j'adore leur site. Franchement, quand je pense à m'acheter un vêtement, la première pensée que j'ai, c'est Bershka, direct. Je vais juste ranger tout ça et ensuite, j'y vais. J'ai rangé les manteaux. Vous avez vu comment je suis en train de me faire une belle collection de manteaux. J'adore. Du coup, je ne vous ai pas dit, mais ma mère, quand elle est revenue du Cameroun, j'aime pas du tout l'éclairage, mais on s'en fout. Quand elle est revenue du Cameroun, du coup, elle m'a ramené une robe du Cameroun que nous, on appelle les kabas. Je suis trop contente. Regardez. Du coup, je vais porter pour rester à la maison avec, pour dormir, etc. Elle m'a ramené... comme ça, super belle. Franchement, je pense que même moi, quand je vais partir, je vais me faire une collection de robes comme ça pour rester à la maison. Du coup, je suis super contente. Et elle m'a ramené aussi ça, super beau. C'est en fait des gras de lit, comment dire, avec oreiller, gras pour le lit, pour la couette, etc. C'est tellement de bonne qualité. Regardez-moi ça. Ici, ça coûte tellement cher. Mais là-bas, ça coûte pas cher. Du coup, elle m'a ramené ça. Je suis super contente. Je ne l'ai pas encore changé. Mais j'adore. Et ce que je vous parlais aussi, c'était... oui, du coup, j'ai mis ma veste directement. J'ai un peu froid. Du coup, ce que je vous parlais, c'était en fait au niveau de mon dressing de ce côté-ci. C'est n'importe quoi. Donc, demain, il faut vraiment que j'aille m'acheter les boîtes en plastique là pour ranger ce côté-ci. Vous voyez tout ça? C'est pas rangé parce que c'est... Il y a tout, il y a chaussettes, sous-vêtements, tout mélangé, collants, etc. Là, les hauts, les sous-vêtements, là-bas. Franchement, quand je vois ça, ça m'angoisse. Mais j'ai pas le choix, en fait. Des fois, je regarde pas trop parce que c'est... Je serais capable de tout ranger et... Non, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, quand je vais acheter ça, je vais prendre un temps pour ranger ce dressing comme il faut. Vraiment à mon image. C'est tout. Finalement, je suis partie sur des bottes. Thank you.
de retour chez moi. J'ai pas fait grand chose, clairement. Je n'ai vraiment rien fait. Je suis juste partie chez ma mère. Je suis partie du coup faire ce que je devais faire en fait. Et en fait, j'avais que ça à faire, clairement, parce qu'en fait, on est vendredi, mais moi, je suis en week-end en fait les vendredis. Donc, clairement, tout le monde est en train de bosser, sauf moi. J'ai failli aller aux Actions, mais je me suis retenue parce que il faut vraiment pas que j'aille aux Actions. Parce que je me suis souvenue qu'en fait, aux Actions, j'ai envie d'acheter une chose. C'est un panier pour mettre en dessous de ma table basse parce que je me suis dit que ce serait une très bonne idée. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire ça demain. Ma table basse. J'aimerais bien mettre un petit panier juste ici. Comme j'ai fini de faire ce que j'avais à faire et ma mère, du coup, elle était dans un magasin africain pour s'acheter des choses et tout. Et elle m'a appelé pour que j'aille la chercher. Du coup, je suis passée la chercher. Du coup, je lui expliquais, je lui disais qu'en fait, ça me saoule parce que j'ai du potentiel. Franchement, c'est pas prétentieux de dire ça ou narcissique ou quoi. Je lui disais en fait que j'ai du potentiel pour Instagram en fait parce que j'ai un style de vêtements que j'adore, j'aime la mode. Et en fait, j'aimerais faire évoluer mon Instagram. Mais il est toujours en mode stand-by à chaque fois parce que je n'ai personne pour me prendre en photo. Du coup, je me confie à elle et tout. Et en fait, à côté de chez ma mère, je suis descendue dans une rue à pied pour aller bah, du coup à la chose que je vous ai dit. Et en fait, dans cette petite rue, c'est juste à côté de chez ma mère, il y a plein de maisons avec des barrières en fait super jolies. Et je disais à ma mère, en fait, c'est juste à côté de chez toi et en fait, c'est pas loin. Je peux me garer là, prendre des photos, mais en fait, les voitures, elles passent. Je peux pas poser mon trépied. Et en ville, je peux pas poser mon trépied non plus. Et du coup, je disais à ma mère que ça me saoulait parce que j'ai vraiment du potentiel pour Instagram. Mais comme j'ai personne pour me prendre en photo, c'est toujours en stand-by, en fait. Et du coup, je disais à ma mère, c'est triste, franchement. Si seulement j'avais une personne qui me prenait en photo, mais juste organiser des tenues pendant une journée et me prendre en photo et comme ça je les garde ces tenues là, bah ça serait trop bien. Et du coup bah c'est ça me saoule en fait. Je dis à ma mère, franchement ça me saoule. Du coup ma mère elle m'a dit bah écoute, si tu veux, même si je suis nulle en photo, parce que ma mère est clairement elle est nulle, c'est à peine si c'est à peine si elle sait tenir un téléphone pour prendre des photos. Ma mère, la dernière fois que je lui ai dit de prendre une vidéo, elle a filmé. C'était pas pour les photos, c'était pour une visite d'appartement. Elle a filmé et elle se filmait elle en me montrant les pièces, mais en se filmant elle-même. Donc elle était là à me dire, voici le salon, mais genre comme ça. Là vous voyez, vous me voyez. Et elle pensait qu'elle était en train de filmer alors qu'elle se voyait elle-même. Le pire c'est qu'elle était pas loin, elle était très près, genre. Ah, mais vraiment très près. Du coup elle était là, voici le salon. Voici la chambre, mais elle se voyait elle-même. Hein. Voici la salle de bain. Voici. Du coup, j'étais là, mais. Et du coup, elle m'envoie des vidéos. Elle me fait, regarde, j'ai filmé la visite. Tiens, je regarde, je vois que sa tête. Je voyais que sa tête. C'est normal. C'est les mamans, c'est normal. C'est pas leur génération. Ma mère, elle n'est pas douée pour ça, en fait. Elle m'a dit, bah écoute, viens, comme ça, je vais essayer. Le problème, c'est qu'avec ma mère, en fait, elle est capable de me dire, place-toi, je te prends en photo et de se prendre, elle, sa tête plein de fois. Ou alors de prendre juste comme ça. Ou alors de me prendre juste là en zoomant sans faire exprès. Du coup, c'est juste frustrant, en fait. On va, je sais pas quoi faire. C'est nul de prendre des photos à la maison, en fait. C'est mieux de les prendre à l'extérieur. Ça fait plus. Pour l'Instagram, c'est mieux harmonieux, en fait, que de le prendre toujours à l'intérieur. Moi, c'est l'impression que j'ai. Actuellement 14h, je suis rentrée depuis tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait mon petit thé, j'ai mangé tout ça. Il devait être 11h, je suis restée chez moi à ne rien faire.
Et là, en fait, je vais sur Facebook Marketplace. C'est en fait parce que du coup, il y a des choses d'occasion. C'est pratiquement là-bas que je trouve toutes les choses de maison d'occasion que j'ai envie. Et en fait, je vois une colonne de salle de bain à 45 euros. Du coup, je dis à la dame, est-ce que c'est possible de me laisser à 40 euros? Elle me dit oui. Et en fait, je cherche cette colonne de salle de bain depuis tellement longtemps. Vous vous souvenez dans le vlog où je voulais en acheter un à 50 euros qui faisait à peine ma taille? Et là, la dame, elle m'a dit, je vous laisse à 40 euros. Je suis tellement contente parce qu'en fait, dans ma salle de bain, je vous montre, dans ma salle de bain, en fait, il y a une partie juste ici. Faites pas attention à ça, c'est pour la salle de bain, vous savez, pour la baignoire. Bref, c'est ici. C'est vide. Et en fait, j'ai eu l'idée de mettre une colonne salle de bain par là. J'ai des choses de salle de bain, en fait, genre les choses pour les cheveux, etc., machin, qui sont dans mon dressing et j'aimerais les faire passer dans ma salle de bain, mais dans une colonne, en fait, et avoir plus de rangement. Comme ça, je pourrais acheter des petits paniers pour les poser et comme ça, je range tout dedans. Et donc, c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Je vais aller chercher cette colonne. J'espère que je vais réussir à la porter parce qu'elle fait quand même 1,70 m. Et finalement, je pense que je vais passer aux actions. On va voir. C'est bon, c'est bon, enfin. Je viens juste d'arriver chez moi, je viens juste de me garer chez moi. Je pouvais pas filmer parce que déjà la personne était très pressée et je pouvais pas filmer tout ça, machin. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Mais il est là, il est parfait. Et franchement, trop gentil. En fait, finalement, c'était un monsieur. Bah, moi, j'étais persuadée que c'était une dame. J'arrive, je vois un monsieur, genre très jeune. Il devait avoir au moins 25, 24, 25, 26. Et là, je vois un beau gosse. Du coup, j'étais là, j'étais gênée. Heureusement que j'étais bien habillée. Trop contente. Il est tellement en bon état. Il est tellement bien fait. Et par contre, je vous ai dit que c'était un beau gosse, mais il a une copine. Donc, on n'y touche pas, ok. J'ai chaud, j'ai super chaud, mais c'est bon, je l'ai monté chez moi. Heureusement que j'habite au premier étage, donc ça va, c'était très rapide et c'était pas lourd en fait. Il m'a donné un panier avec. Là, je vais juste emballer le meuble et je pense que je vais aller aux actions parce que j'aime pas en fait rester à la maison, autant que je fasse des choses. Voilà. Ok, voilà ce que ça donne. Du coup, je l'ai installé, hop. Voilà, je suis assez contente, franchement. Je suis assez contente depuis le temps que j'en cherchais. Parce que vous voyez, j'ai mon meuble salle de bain juste ici que j'avais acheté. Et je voulais tellement celui-ci. Mais alors tellement. Maintenant, je vais aller aux actions. Bon, voilà, arrivé aux actions. On va voir avec combien de choses je vais sortir. Désolée, c'est mon téléphone. Mais objectif, ne pas sortir avec plein de choses. Objectif, ne prendre que le nécessaire, ok? Ok, là je sors du action. Je n'ai rien trouvé, clairement. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé le panier que je cherchais, les plaids, etc. Je n'ai rien trouvé. Première fois où je sors au action avec seulement deux articles. Je suis sortie avec cet agenda de 2021. Donc je vais commencer à l'utiliser en janvier. Vous voyez qui commence, qui est comme ceci à l'intérieur, vraiment très simple. Et là aussi, j'ai pris parce qu'il y en avait trois dedans. Et comme ça, en fait, j'écrirai mes idées de vidéos, en fait. Et sur l'agenda, j'organiserai, en fait, par rapport aux quelles vidéos j'ai envie de tourner, quel jour, quel mois. Et là, en fait, j'écrirai des idées de vidéos. Comme ça, ce sera un peu plus propre parce que mon autre carnet de vidéos est complètement... j'ai mis tout et n'importe quoi dedans. Là, je vais retourner chez moi. Je commence à avoir un peu faim. Et quand je suis arrivée aux actions, il y avait une jeune fille noire qu'on avait arrêtée. Bah, à vol. Du coup, il y avait la police autour d'elle. Je me suis dit, mais pourquoi aller voler aux actions? Pourquoi? Ouais. Bon, bah, j'y vais. Je rentre chez moi. Bon,
je suis arrivée chez moi. Je vous ai aussi, j'ai pris en fait les petits carnets comme ça. Comme ça, si j'ai envie de noter des choses plus organisées. Parce que j'ai eu une idée en fait qui me crotte dans la tête depuis quelques temps. Qui est une de mes passions que j'avais laissé tomber. Je sais que c'est un double travail, mais j'ai envie de tenter l'aventure, de tenter le coup. Je le mettrai en place, je vous dirai tout. Je vais mieux m'organiser pour que ça soit mis en place et je vais mieux m'organiser pour mes vidéos. Il faut juste que je réfléchisse, que je prenne du temps pour moi, que je règle les petits problèmes du quotidien que j'ai actuellement. L'objectif que j'ai eu, c'est ça. C'est vraiment m'organiser mieux que ça. Bref, vous verrez tout ça dans des vidéos de toute façon. Vous savez, je filme toujours tout ce que je fais presque. Si je ne continue pas ce vlog, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, ce petit vlog vous a plu, une journée avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Allez me suivre sur Instagram et Snapchat que je vous laisse quelque part par là, surtout sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous, paix et amour sur vous les babies. Ciao!